Damon, s'il te plaît, enlève-moi toutes tes flammes et prends-moi la main. Je n'ai toujours voulu que ton bien, je te le promets. Si tu me tues, c'est que tu ne m'aimes pas, et j'aurai tout perdu. Je t'aime, mon fils. Si tu me tues, ça le rendra plus fort, et il te fera encore plus de mal. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais j'ai pas le choix. Je dois le faire. Je dois le faire. Ce truc me hante. C'est vrai que tu m'as donné la vie. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais retirer ta vie. Je suis vraiment désolé. Moi aussi, je t'aime, maman. À quoi sert de vivre maintenant? J'ai tout perdu. J'ai tout foutu en l'air. J'étais totalement aveuglé par ce démon. Je suis tellement détruit intérieurement. Je n'ai plus de force. Ça fait déjà quelques mois que je suis comme ça, ici, caché. J'ai tué ma propre mère. C'est comme si je me suis tué moi-même. Comment je peux me regarder dans un miroir maintenant? Elle a juste voulu m'aider. Elle m'a tendu sa main. Et moi, j'ai retiré son cœur. Je n'ai jamais voulu faire du mal à ma mère. Car je l'aimais et je l'aimerai toujours. Elle restera à jamais dans mon cœur. Bonjour Damon. Si tu ne m'as pas reconnu, c'est 000, l'agent du FBI. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas de nouvelles de toi et je commence fortement à m'inquiéter. Comme tu as pu le constater, mes supérieurs t'ont mis une prime de 50 millions de dollars sur la tête mort au vif. Si tu vois ce message, j'espère que tu es bien caché. Sache que je serai toujours là pour toi, comme je l'ai été depuis le début. Tu m'as considéré comme ton frère, cela me touche. Sache qu'un frère, ça ne part pas comme cela. Ça t'aide même dans la merde. Dès que tu peux, envoie-moi un message et une position. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider, même si je dois en mourir. Sache que je t'apprécie et je te lâcherai jamais. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Je suis prêt à changer et être la personne que je devais être depuis le début. Je suis prêt. Je suis prêt à être un flash. Un vrai flash. Guidez-moi. Je vous en supplie. Guidez-moi. Guidez-moi. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ton nom. N'oublie pas d'où tu viens. Ton nom veut tout dire. T'as mon sang qui coule dans tes veines. T'es un flash. Tu étais juste manipulé par ce démon. Maintenant que tu as enfin ouvert les yeux, que t'as réussi à te libérer de ça, ne crois pas que t'es faible. Ne crois pas que t'as pas de force. Car t'es un flash. Et un flash n'a pas besoin d'un démon pour exister. Car tu as ça dans le sang. T'as cette force en toi. Depuis ta naissance, c'est juste à toi de le retrouver. Et tout ça, grâce à ton mental. T'es maintenant enfin capable d'avoir le mental. C'est à toi de jouer maintenant. Tout est dans la tête. Il a cru qu'il a gagné, mais non. Il est parti. Il a pris la balle. Mais la balle, tu peux te servir qu'une fois. Et ensuite, ça ne fera plus l'effet. Maintenant qu'il est plus là, nous, on est là. On peut enfin s'approcher de toi et t'aider. Et à te guider vers le droit chemin. Ne pense pas que t'es seul, ne pense pas qu'on t'oublie. À partir d'aujourd'hui, chaque fait et geste que tu vas faire, on sera là pour te guider. On sera là à te ramener de la lumière sur ton chemin. Mais à toi de jouer maintenant. Le mental. Le mental. Une fois que t'as le mental, tu seras prêt
Pour l'instant, fais attention à toi. Pour avoir le mental, je te conseille de reprendre tout à zéro. De recommencer une vie à zéro. De te retrouver un boulot. Un boulot qui n'est pas facile. Je vais te donner une adresse. Tu iras là-bas. Fais-moi confiance. Et n'oublie pas d'où tu viens. Tu viens de nous. Et on vient de toi. Je viens de vous. Et vous venez de moi. Je vais tout faire pour avoir ce mental et devenir le meilleur. Ok, l'adresse c'est ici. Waouh, quelle baraque. C'est grand. Le mental. On garde le mental. On va le faire. On va tout péter. Je vais bosser ici. Je vais faire confiance à mes ancêtres. On va voir ce que ça va donner. Moi qui étais quelqu'un qui n'aimait pas recevoir des ordres. Ça a changé maintenant. Bon, monsieur, on va faire simple. Vous n'êtes pas au Club Med ici et encore moins à la Croix-Rouge. Si vous voulez votre paye à la fin du mois, il va falloir travailler. Donc, qui dit travail, dit pause plus longue. C'est à vous de voir. Le ciel reste toujours au-dessus de votre tête, cela ne sert à rien de le regarder. Le plus important, c'est entre vos mains. Il y a des milliers de personnes ici qui rêveraient d'être à votre place. Vous n'êtes absolument pas indispensable. C'est vous qui avez besoin de moi et pas le contraire, je vous le rappelle. Donc, si on vous prend en train de lambiner, c'est dehors, simplement. Sur ce, le temps c'est de l'argent. Allez ramasser le crottin, au fond là-bas, et déboucher les toilettes fermiers aussi. On n'a pas le choix. Des fois dans la vie, il faut faire des sacrifices pour avancer. Let's go. Ouais, je bossais jour et nuit, je n'arrêtais plus. Elle profitait que j'avais plus un rond pour me pousser à travailler plus. D'un côté, j'ai envie de lui dire merci, mais de l'autre, j'ai envie de lui dire « va te faire foutre ». Mais bon, on garde notre calme. On est là, on garde le mental. C'est une étape dans la vie. Si je suis ici, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Yo Damon, c'est encore 000. Bon, ça fait déjà une semaine que j'ai plus de nouvelles de toi. Ça commence à faire long, je m'inquiète pour toi. Écoute Damon, c'est mes supérieurs qui ont mis la prime, et tu le sais très bien. Moi, je suis juste un pion dans le FBI, ok? Un simple agent, d'accord? Je ne dirige rien, je ne fais rien, et je ne prends aucune décision, d'accord? C'est Washington qui fait tout. S'il te plaît Damon, fais-moi confiance. Je suis là pour toi et tu le sais très bien, je t'ai aidé depuis le début, Damon. Allez, s'il te plaît, si tu entends ce message, envoie-moi une position et un message. Mon numéro est le 555-5939. Appelle-moi dessus. Si tu reçois ce message, Damon, je te fais confiance et je te lâcherai pas. A plus. Never gave a damn, 'cause I'm a bad man.
Moi bien, vous l'avez sûrement compris, mais mon nom c'est Barbara. Je suis revenue ici pour retrouver mon padre, mais dans la matina, on m'a appris qu'un héros des putas a osé le tuer. S'il y a l'un d'entre vous qui sait quoi que ce soit, il a intérêt à me le dire maintenant. Bon, je vais tout remettre en place ici, à croire que vous crachez sur mon héritage. On va traquer jusqu'à la mort tous ceux qui nous ont causé du tort. J'irai même jusqu'à mettre, je pense, 1 million de pesos sur sa cabeça. Sans oublier notre pequeño, Demon. Elle nous doit toujours 250 000 pesos. Je le veux ici, à Horita.